France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage recettes, idées, coups de main, bonnes adresses et donnez-nous s'il vous plaît, Emmanuel, le menu. Oh bah c'est trop long, non quand même. On va parler des viandes rôties sur une rôtissoire et puis on peut faire aussi des choses à la broche à la maison. On en parle rarement dans cette émission. Ah oui, effectivement. On va faire les accords mets et vins avec ces belles viandes et puis on aura des financiers en dessert et des rillettes à gagner. Des rillettes à gagner, voyez, le menu, c'est il toute est... cette semaine, Porte Copieux. Fermier, Label Rouge de la Sarthe. Écoutez bien l'émission car on va poser une question pour vous offrir ce cadeau. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Mais celles-là, elles sont pas à gagner, on les garde pour nous, oui. Emmanuel, on va les goûter d'abord hein, pour vous dire si c'est bien. Les pouilles de cochon, rillettes de cochon au foie gras de la rôtisserie. Au foie gras, et oui, c'est une nouveauté, Stéphane Georget, bonjour. Bonjour. La rôtisserie à Rue Audin. Stéphane, on va parler de ces rillettes entre autres et puis de toutes les viandes que vous proposez. Samuel Lemonnerie, c'est le chef de la rôtisserie. Bonjour Samuel. Bonjour. Avec des envies de dessert aujourd'hui aussi. Tout à fait. Voilà, parce que c'est vrai que rôtisserie, on pense tout de suite à la viande, mais vous faites des desserts aussi maison, c'est pour ça qu'on voulait mettre ça en avant. Ouais, on mange pas que de vous la n'êtes viande. Pas charcutier, Samuel, mais vous du êtes tout. De plus en plus dans les rillettes, là, j'ai l'impression. De plus en plus, ouais, effectivement, ouais. Ça, ouais. C'est bien, ça, un chef qui se met à faire des rillettes. Ah ouais, alors, je sais une... pas si les charcutiers écoutent, des fois, ils vont se dire. Vaut mieux pas. Mais faut qu'il les goûte. Faudrait qu'il les goûte. Non, mais c'est vrai, hein. On va faire une petite battle avec les charcutiers. S'il y en a qui passent dans la rue, vous venez goûter, vous verrez. Moi, on a été très surpris par la qualité de vos rillettes, en tout cas, félicitations. Et on les a pas goûtées, celles-là, encore au foie gras. Grâce à une genre des beaux accords mets vins, ça pour Philippe Dreyer. Bonjour Philippe, la cave, le bar à vin au Mans, rue du Cornet, Philippe. C'est une cave à vin aussi également. Sur ces viandes, alors vous allez nous aider hein, sur toutes les viandes qu'on va rôtir comme ça tout simplement. Chef, vous allez nous donner des conseils aussi pour pas que la viande soit trop sèche. Moi j'ai mangé chez vous, elle est très moelleuse la viande et pourtant ça y a pas de sauce. Alors comment vous arrivez à ce résultat là? Déjà grâce à la rôtissoire, c'est vrai. C'est ça, c'est le matériel. C'est le matériel, c'est un ustensile, le matériel et aussi bien sûr nous forcément par notre interaction. Parce que si on la laisse tourner 5 heures, ça deviendra forcément sec, mais non, c'est vrai que le principe de la rôtissoire donne le côté croustillant sur l'extérieur, ce que tout le monde aime forcément, et ce côté moelleux à l'intérieur de la viande qui dénature pas, qui devient pas sec. Donc non, c'est un vrai ustensile dont j'adore me servir. On parle de viande, mais aussi de poisson. C'est quelque chose. Je peux faire mes poissons à la rôtissoire. D'accord. Il faut bien surveiller là. Des poissons entiers. Voilà, c'est des temps de cuisson, mais poissons, viande, tout fonctionne. Même les produits en saumure, les jarrotins, les jarrets. Il y a vraiment des possibilités. D'accord. Multiples. Ça, c'est la machine qui fait quand même, parce que on a tous dans nos fours, vous savez, en dessous du four. Je suis sûr chez vous, il y a ça. Mais Sophie, oui, bien sûr. Oui. Le pic pour cuire à la broche, on s'en sert exactement. Jamais. Est-ce qu'on aura le même résultat dans un four que sur une peut-être rôtisse. Pas quand même. Moi, à la limite, ce que je conseillerais, c'est de mettre en fait un petit récipient avec de l'eau dedans. Pour que ça puisse faire un petit peu un petit four vapeur en fait. Ouais. Donc comme ça, ça permet que la viande reste moelleuse. Là, nous, on a la chance d'avoir une rôtissoire à convection en fait. Donc ça marche au gaz, c'est de la flamme. D'accord. Donc c'est pas électrique. Et en fait, vous avez des parois en fonte et qui permettent de faire de la convection sur la viande. Et ce qui permet d'avoir ce moelleux, oui, en fait. Oui, puis en plus, c'est le concept. Ça garde la chaleur, en fait. Du ça cuit à basse température, en fait. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Parce qu'on a toujours cette impression de rôtisserie, voilà, où ça va cuire avec une puissance de chauffe. Mais non, finalement, et non. Non, ça arrive à griller quand même la peau, ça qui est bon. Un pur délice. Ouais. Philippe, juste un petit accord, tiens, sur un poulet qu'on ferait comme ça à la broche à la maison ou qu'on irait manger à la rôtisserie. Un vin qui irait très bien sur un simple poulet comme ça. Un bruit, tout simplement. Un bruit. Du Beaujolais assez léger. Pas les plus corsés du Beaujolais, les plus légers, très aromatiques, donc la fraîcheur du vin avec le côté moelleux et léger de la viande de volaille. C'est bien, faut toujours avoir un caviste sous la main, c'est pratique. Bon, une question, ça marche tout de suite. Un bon début avec la rôtisserie à Rue Audin au Mans, le bar à vin de Philippe Dreyer, des rillettes à gagner aussi en cours d'émission, et puis des recettes bien sûr. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Les rillettes, ce n'est pas aussi gras qu'on le dit. Donc c'est bien de rajouter un peu de gras dedans. Et les rillettes au foie gras, c'est parfait. Du bon gras, voilà, du foie gras. Ça, c'est parfait. On représente les invités qu'il y a autour du plateau. Mais oui, si vous voulez, il y a Samuel Lemonnerie de la rôtisserie. C'est le chef à Rue Audin. Et puis Stéphane, vous êtes le patron. Et ça, c'est une nouveauté qu'on est en train de découvrir avec vous. Oui, on a sorti ça en fait pour les fêtes. Et puis avec Samuel, on a eu cette idée. Et puis ça fonctionne plutôt pas mal, c'est-à-dire que l'association, on va dire du Sud-Ouest et puis de la Sarthe, ça marche plutôt bien.
Donc pourquoi pas faire des rillettes de cochon comme on fait habituellement et puis les associer avec avec du foie gras. Mmh. Et je trouve que ça leur apporte un petit côté un peu enfin complètement différent d'ailleurs. Et on sent bien les rillettes de cochon et le foie gras en même temps. C'est l'équilibre est assez bien. Notre caviste est intéressé aussi, je pense, par oui, c'est une variante, hein, mais on peut mettre pas mal de bons vins blancs avec ça. Oui, ouais, on irait sur du vin blanc évidemment, foie gras, même rillettes hein, généralement. Ouais, pas moelleux, pas forcément. Hein, c'est d'accord. Parce qu'il y a du foie gras. Je pense que faut au contraire un côté un sec, mais assez riche, assez généreux. On serait sur du Janière là, si je vous écoute. Bien sûr, par exemple. Allez, vantez-nous quelques belles maisons de Janière, s'il vous plaît, Philippe Dreyer, bien près du micro, merci en plus. La cuvée l'authentique de Christine de Mianville. D'accord. C'est pas un Janière que l'on rencontre souvent. Ah non, vous ne connaissez pas Emmanuel. Ah non, vous avez eu les yeux là. Oh, oui, découverte, attention, en direct. Si vous êtes sur la page Facebook, regardez là. Wow, c'est incroyable. Hein ouais. Petite parcelle d'un hectare, travaillée par deux œnologues. Lui, il est œnologue conseil à Saumur-Champigny, une trentaine de domaines. Et elle est prof au lycée viticole de Montreuil-de-Bellay. D'accord. Donc ils savent ils connaissent un peu la partie, comme on dit. Ouais. Très très bien. Voilà, autre petit coup de cœur, peut-être en plus abordable, parce que c'est cher un peu ça, j'imagine. Ouais, non, qu'est-ce que c'est cher de, un on est Janière, c'est super cher. Le patron là, Stéphane. Trop cher. Objectivement. non mais juste une petite parenthèse. Objectivement, vous ne trouvez pas quand même que les Janières, ils ont augmenté en prix, quels que soient les. Ça s'explique comment beaucoup, surtout. Beaucoup moins que les Bordelais. D'accord. Ah, bon, ça se défend là-dessus. Vous êtes sûr de ouais, ça mais à Bordeaux, c'est hors de prix depuis combien de temps? Depuis. Vous avez des Bordeaux quand même très abordables. Que des petits coteaux. C'est voilà, ils sont. Ouais, mais c'est un vin rare, le Janière. Il y a un gastronome qui a décrété que c'était trois fois par siècle le meilleur vin blanc du monde. C'est Kurnonski, oui. Donc c'est pas cher par rapport à cette notoriété. Là, on est autour de quel prix à peu près pour une bouteille de Janière? De celle que vous avez citée. Raisonnablement entre 8 et 40 euros. D'accord. Mais celle que vous avez citée, 24 euros. 24 euros. Ah, ouais. 24 euros quand même. Ouais. Ouais, mais bon. des petits rendements, c'est travailler avec une mule pour pas tasser les sols. Il y a un travail à côté qui est important. Et qui explique le prix, bien sûr. Voilà. La mettre sur table, c'est compliqué. Évidemment. Pour le restaurant, faut l'expliquer. Pour le caviste, en revanche, c'est un bonheur, justement, de présenter ce type de vin. Oui. C'est une particularité. Et puis, ça tranche complètement par rapport à l'image du Janière que les gens ont. Voilà, moi je parle pas pour moi parce qu'en effet je regarde pas trop les prix ni quand je vais au restaurant ni quand j'achète des vins. Mais à part quand vous faites des cadeaux, oui c'est autre chose. À part quand il y a trois chiffres. Tout ça. Je vous ai déjà offert une bouteille de vin. Vous non jamais, c'est pour ça je peux pas dire. Si le truc qu'on m'avait donné, ça va venir. En attendant, repartons sur nos rillettes au foie gras, parce que la rôtisserie, c'est un restaurant. Viande rôtie, c'est la spécialité, mais il n'y a pas que ça. Mmh. Et puis, vous faites vos rillettes. Hein. Vous faites une partie vente aussi de ces fameuses rillettes. Le chef a eu envie de se lancer là-dedans, Samuel. Exactement. Le chef, par l'impulsion de mes patrons. Voilà, exactement. C'est venu comme ça. La première fois, vous êtes dit quoi? Tiens, je vais faire des rillettes. C'était pas complètement. Forcément. On s'est dit, on est dans la Sarthe, on fait pas nos rillettes, quoi. C'est quand même dommage. Ouais. Je crois que vous êtes le seul restaurant en Sarthe à faire vos rillettes maison. Hein. Bah, j'en connais pas d'autres, en tout cas, enfin, peut-être, hein. Mais s'il y en a qui se dénoncent. À les vendre, en tout cas, vous êtes les seuls. Hein. Je pense à les vendre. Il y a peut-être quelques chefs qui font encore des rillettes. C'est la folie rillette en ce moment. Hein. On n'aura pas d'en parler. Ça, c'est sûr. Voilà, on en fera gagner. Michael Douard, c'est la médaille d'argent. Oui, Michael Douard. Alors, médaille d'argent, attention. Au concours de ma mère. De ma mère, parce qu'il y a eu le concours du Salon de l'Agriculture. Hervé Oma, il y a eu la médaille d'or au concours général agricole. Voilà. Dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Voilà, faut pas tout mélanger, mais il faut s'y retrouver un petit peu. Faut s'y retrouver. Voilà. Inscrivez-vous au concours, les gars. Ouais. Mais faudra trouver peut-être une catégorie, parce que. Oui, parce que voilà, on est un peu hors catégorie. C'est vrai qu'on est vraiment. On est hors catégorie. On va créer cette catégorie pour vous. Ah bah c'est parfait. Bon, on a gagné. Allez, on continue de cuisiner ensemble. On a pas mal parlé des rillettes, mais on va passer au dessert aussi et les financiers de Samuel dans un instant. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. Ah, et ces moments-là, c'est formidable, Sophie. Ce partage. Quelques de la amis. Table. Voilà. Des bonnes bouteilles. Philippe, la prochaine fois. Merci, virgule. Et puis des bonnes rillettes. Avec Philippe Dreyer du Bar à Vin, rue du Cornet au Mans, et Stéphane Georget et Samuel Lemonnerie, la rôtisserie, cuisine traditionnelle spécialité à la rôtissoire avec une carte réduite. Pourquoi? Parce que tout est frais et tout est fait maison, Samuel. Exactement. Les financiers, parce qu'on va partir sur un petit dessert. Vous aimez bien aussi faire des desserts? Tout à fait. Ça fait partie du métier du cuisinier, que ce soit les entrées, les plats, les desserts. Donc, en avant-première, on va dire, parce qu'on va bientôt changer de carte. Ah. Ça approche. Deux fois, on change de carte dans l'année.
pour l'été, pour l'hiver. Donc là, ça va être celle d'été. Donc c'est vrai que une petite envie de faire un petit financier, petite mousse vanille bourbon et avec des fraises, forcément. Voilà, ce sera oui. Les premières fraises là début avril. Voilà, quoi, voilà. Ça va pas tarder. Du côté de Plougastel, ouais, tout ça en Bretagne, ça arrive tôt. C'est bon. Ah vivement la première fraise. Faut faire un vœu hein, dès que vous mangez le premier fruit de l'année. Vous le saviez ça? Oui. Non. C'est très important. Je connaissais ça. C'est ma maraîchère qui me dit ça. Voilà, oui. Qui me dit voilà. Et vous mangez la première cerise, la première fraise. Oui, voilà. Et puis après les premiers melons, tout ça. Voilà, le premier poireau. Oui, tout quoi. On peut le faire avec beaucoup de choses. Vous y penserez la prochaine fois. J'y penserai. Est-ce que vous allez nous la donner, la recette du financier? Si vous me laissez le temps, oui. Mais tout à fait. Non, parce que la dernière fois, il avait donné une partie de la recette, mais pas toute la recette. Il y a ses petits secrets, peut-être, Samuel, c'est ça? Forcément, on a nos secrets de cuisinier, mais. Oui. Voilà, sur le financier, les grandes lignes. On peut tout lâcher, c'est bon. Exactement, le financier, donc une base de biscuits avec de l'amande. Donc, comme toutes les recettes, hein, rien d'exceptionnel. La mousse vanille bourbon, donc forcément vanille fraîche, enfin tout du moins la gousse de vanille, très important. L'extrait de vanille n'aura jamais ce côté de la vanille. Et voilà, pour finir le dessert, les fraises avec un petit zeste de citron râpé pour finir le dressage qui va puncher un peu le côté de la fraise. Citron jaune, citron vert. Citron vert, évidemment. Ah, ouais, voilà. Pardon, excusez-moi. Très bien. Donc, vous voyez, il a pas donné la recette. C'est bien ce qui me semblait. Je vous ai vexé, même. C'est parfait. Non, pas du tout. Parce que là, vous nous avez donné la recette pour vous, Samuel. Non, vous avez donné les ingrédients. Non. Ah, oui, c'est vrai, Samuel. Ils sont vachement sympas avec nous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Moi, je sais pas. Une recette de dessert. Vous voulez que je démissionne? Ah, il veut pas donner sa recette. Vous avez raison, Emmanuel. Philippe, là, vous avez entendu les ingrédients. Le côté, voilà, poudre d'amande, la fraise, le goût crème. On irait sur quel vin là? Ouais, on peut mettre des moelleux, mais pas des moelleux trop liquoreux. Je pense au Coteau Lanceny, ça peut être original avec ce vin-là. Un cépage malvoisie, c'est pas très courant. Et puis c'est un moelleux fruité plus qu'un moelleux sucré. D'accord, on est dans quel département là, en 44. Dans le 44, on fait du moelleux. Bah, vous m'apprenez encore quelque chose. C'est fou ce matin. Bah, c'est le but de l'émission, hein, aussi, c'est d'apprendre des choses avec toutes ces belles recettes détaillées des chefs tous les jours. Au grammage près, hein, Samuel, les recettes. Non, on me dit, on est pressé, on fait dans les grandes lignes. C'est le citron qui est pressé, c'est pas la recette. On parlait de changement de carte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir après au niveau des viandes et tout, dans les nouveautés que vous avez proposées. Tout ce qui est spécialité à la rôtissoire, ça change pas. Ça c'est notre fier de lance, en fait. Ouais. On va rajouter quand même un produit. Ouais, un produit. On va vous dire, c'est un jarrotin en fait qu'on a goûté, qui est absolument exceptionnel à la rôtissoire. On change toutes les entrées évidemment, sauf les œufs mimosa, parce que chez nous ça fait partie. D'accord, ça y est, on peut pas les enlever en fait. C'est impossible. Non. Les clients, si on enlève les œufs mimosa, on se fait vulgairement défoncer. Hein. N'ayons pas peur des mots. Il y a un moment donné. Il y a des œufs. C'est terrine sur la table ce matin. C'est ça. Voilà. Donc non, mais ça c'est bien. Quand on commence à avoir voilà des recettes un peu phares qui sont demandées par le client, c'est souvent bon signe dans les restaurants. Le chef, ça l'agace des fois un peu parce qu'il se dit je vais être obligé d'en faire tout le temps. Ouais, mais enfin, c'est logique, on est à la rôtisserie, on travaille le poulet, enfin pas que ça, mais c'est le principe. Donc il y a les œufs, le poulet, le travers, le cochon. Mais au d'aujourd'hui, il n'y a pas de poulet, c'est forcément, pas... Enfin, je veux dire, sinon on fait fruits de mer, quoi. Et on change de nom, donc non, forcément. Ça ne veut plus rien dire. Il y a quelques entrées qu'on ne change pas. Des plats, on a plus de largesse sur les plats. Généralement, c'est là où on peut bouger. Les viandes, on ne va pas en inventer. La rôtissoire, voilà, on peut faire des petits rajouts, et les desserts, on peut changer aussi quelques desserts comme ce matin, voilà. Mais une ou deux petites salades quand même, voilà, pour l'été, et du poisson. Du poisson, ça c'est très bien. On est très fort en poisson aussi. Voilà. Sur rôtissoire, à la rôtissoire. À la plancha et tout. Ouais. On en dira un petit mot dans un instant. Poisson, peut-être recette d'Emmanuel Bordeaux, je ne sais pas, ce matin, vous avez quelque chose à nous proposer. Oui, j'ai une recette avec des restes, moi. Ah, des sur restes. La rôtissoire, il peut rester des choses. Eh ben d'accord. Qui donne envie. On ne laisse rien dans nos assiettes à chaque fois. On voit ça dans un instant, puis on vous offrira des rillettes. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On est impressionné par notre duo, les invités. Mais tout est écrit, on a des auteurs. Hein, faut ah pas bah non oui, plus, qu'est-ce que vous croyez? Pensez que c'est nous qui avons fait ça comme ça, ils pensent. C'est pour ça que c'est marrant. C'est pour ça que ça marche si bien. Les coulisses, c'est ça qui est bien. C'était super synchro. Ouais, voilà. La rôtisserie, c'est à rue Audin. Et le bar à vin, c'est rue du Cornet au Mans. Philippe Dreyer, Samuel Lemonnerie, Stéphane Georget. On cuisine tous ensemble ce matin avec les menus de la rôtisserie. On en dit un petit mot. Le petit Pouic-Pouic, tout ça, parce que Pouic-Pouic, c'est le personnage principal de la rôtisserie. Ouais, c'est notre logo, en fait. Ah oui. En hommage au film de Louis de Funès, Pouic-Pouic, qui est
Le petit poulet. Et le poulet, voilà. Pour être un mal à la laisse dans le jardin. Et on retrouve ça rigolo, en fait. On retrouve ce poulet même dans les rillettes, sauf que, voilà, c'est juste pour le nom, ouais. Évidemment. Ouais, ouais, ouais. Et encore, c'est un pouet de cochon, là. Et c'est un pouet de cochon. Attention, il y a un groin, hein. Il y a un groin. C'est pas le même logo. Voilà. Mais ouais, voilà, vous avez travaillé toutes les dimensions un peu du restaurant, j'ai l'impression, sur la décoration. L'ambiance. Faut aller faire un tour, tout est important. C'est bien. Bon, on parlait des œufs mimosa, qui sont, voilà, des produits phares de la rôtisserie. Tout à fait, ouais. Comment on fait des œufs mimosa tout simple? Parce que ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas à la maison. C'est vrai qu'on n'y pense pas, alors que c'est vraiment simple sur le principe, cuire des œufs. Donc voilà, cuire des œufs pour avoir des œufs durs. Ensuite, séparer le jaune du blanc. Une fois qu'ils sont refroidis, séparer le jaune du blanc. On sert des jaunes, donc on fait une mayonnaise, on réalise une mayonnaise. On incorpore les jaunes d'œufs, de l'échalote, du cerfeuil. Et voilà. Après, on remet sur nos blancs d'œufs. Tout simplement. Et on a un œuf mimosa que nos grands-mères faisaient, quoi. C'est vrai que c'est un peu. Mais oui, mais c'est vrai que c'est passé un peu de mode. Et les enfants aussi adorent. Ah, j'adore ça, moi. Moi, j'ai les œufs mimosa, j'adorais ça, quoi. Mais ça m'étonne pas. Enfin, j'adore toujours ça, même. C'est pour ça que ça me fait plaisir aussi, de toute façon. Mais oui, ça fait plaisir aux clients. C'est peut-être une petite Madeleine de Proust, un peu, ça, les œufs mimosa. Un vin avec ça, s'il vous plaît, monsieur Philippe Dreyer, le bar à vin rue du Cornet. Trop difficile pour moi, les œufs, la mayonnaise. Ah oui, il n'y a rien qui va avec, c'est vrai. Non. Donc un rosé pour se rafraîchir. Un verre de flotte. Merci Philippe. C'est bien, on a bien fait. Du robinet. Du robinet de préférence. Pour finir le verre qu'on a, Château qu'on a déjà sur table, quoi. La mayonnaise compliquée, ouais, alors. Ouais, moi je crois que c'était la vinaigrette qui était surtout. Oui, aussi, mais les œufs surtout, et puis la mayonnaise. D'accord, cette texture-là, ça va casser le vin. Oui. Moi, ça me dérange pas. Donc, vous iriez sur un rosé. Voilà, oui. Mais il y a des bons rosés. Un blanc simple, mais on peut pas chercher un accord particulier. Même pas des vins charpentés qu'on. Non. Qu'on du peps. Les tanins du vin charpenté vont mal se combiner avec l'œuf. D'accord. Mince alors. Recette à base de reste, Emmanuel. Ouais, je vais à la rôtisserie, moi je racle tout le fond. Ouais. Il ramène tout, lui, il laisse rien, attention. Non, mais c'est juste, alors je sais pas si vous le faites, c'est des recettes hyper simples avec des restes de poulet quand on va gratter un peu tous les os. Bon, ils le font pas à la rôtisserie, hein, ils récupèrent pas dans les assiettes. Non, non. Ils en sont pas là. Non, mais tout ça, c'est des plaisanteries, auditeurs de France Bleu Maine. On est bien d'accord. Imaginez qu'on nous prenne au sérieux. Mais moi, je fais ça chez moi, voilà. Quand j'ai une carcasse de poulet, ben voilà, je gratte tout avec la carcasse, j'en fais un fond, un jus, parce que ça, c'est formidable. Bien sûr. Et puis, moi, j'aime travailler la patate douce, donc on va faire une sorte de, si vous voulez, de gratin. Votre poulet, il est cuit, hein, on est d'accord, donc ça va diminuer un petit peu le temps de cuisson. On va faire une purée de patates douces, avec un peu de beurre, un petit peu de lait entier. On va avoir fromage, c'est pareil, s'il vous reste du fromage, un bout de comté, même qui se rapproche un peu de la croûte, ça. Et ben vous le prenez, et puis vous en faites du fromage râpé. Faut rien jeter en cuisine. Du coup, une fois qu'on a notre purée, je vais faire comme Samuel, voilà, vous faites une purée. Oui, voilà, oui. J'allais vous le dire. Vous grattez les lignes. Ah ben non, mais je reste, voilà. Et puis bah après on va faire un petit montage tout simplement dans un plat à gratin. Avec, on va commencer par le poulet, patate douce. Si vous voulez vraiment aller plus loin dans la recette, vous pouvez faire aussi une purée de pommes de terre. Donc vous voyez, on remettrait une couche de poulet, d'accord. Une couche de purée de pommes de terre, un peu de fromage dessus, du comté, ça c'est très très bien. Et puis on va mettre ça au four, pas très longtemps, une quinzaine de minutes sur un four bien bien chaud, type 200 degrés, même un peu plus, si vous mettez à fond le four. Et puis après voilà, on sert ça c'est un plat parfait pour un soir. Familial. Une belle salade, on va sur la mâche, très bien. 100 mètres de vinaigrette surtout. Comme ça on pourra avoir parce un bon vin. Parce que sinon je vais chez Philippe. Alors je fais entrer les œufs mimosa. Après il va me dire non, quoi, allez chez pas. Vous. Donc sur ce type de gratin poulet, patate douce, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Philippe? Je pense que c'est un plat assez copieux malgré tout. Donc faut rafraîchir le palais avec un chignon, mais des chignons d'alluvion là sur les bords de la Vienne, qui sont assez légers sur le fruit, ou voir un Saint-Nicolas de Bourgueil aussi. Ah bah voilà, très bien. Assez jeune, ouais, sur des 2015, des choses comme ça, des vins qui soient assez juteux. Alors on va rester là-dessus. Rillette Emmanuel de chez Michael Douard, opération Port Fermier de la Sarthe avec les artisans sartois. On vous offre 3 pots de rillettes de tradition sartoise à changer chez Michael Douard avec cette question. Voilà, vous l'avez entendu tout à l'heure, Michael Douard au dernier concours. Alors on est bien d'accord, c'est le concours de Mamers. Oui. Il a gagné, je crois pour la 5e fois, une médaille d'argent ou une médaille d'or.
Pas dur. 02 43 29 10 10 et c'est à vous. 10h 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Mer. Stéphane Georget, Samuel Lemonnerie et Philippe Dreyer avec nous autour de la table. Et Eric qui nous rejoint depuis la Suze sur Sarthe. Bonjour Eric. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour Sophie, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos invités. Impeccable. Donc ça c'est bien, il est efficace le Eric. Il est parfait Eric. Hein. Et il connaît les rillettes de Michael Douard que vous appréciez. Ah oui, je connais très bien. Ouais. Et ben, hop, trois pots pour vous. On repose la question quand même. Mais juste avant, Eric, oui. Vous habitez la Suze et vous allez à Changé acheter vos rillettes, vous? Oui, parce qu'avant j'habitais Changé, donc j'ai perdu l'habitude. Il a gardé ses petites habitudes avec les commerçants qu'il connaît bien. La question sur Michael Douard concerne le dernier concours de Mamers. Voilà, médaille d'argent ou médaille d'or? C'est médaille d'argent. Et voilà, ce sera pour la prochaine fois alors, pour Michael Douard peut-être. Les trois pots, c'est pour vous en attendant, Eric. Eh ben, c'est gentil. On vous souhaite une belle journée. Si vous avez envie de découvrir aussi de belles adresses sur le Mans, puisque vous allez jusqu'à Changé depuis la Suze, venez nous voir au Mans, ou du moins à rue Audin, à la rôtisserie, et puis le bar à vin de Philippe Dreyer. Ça, c'est dans la rue du Cornet au Mans. Ouverture de la rôtisserie, les horaires, tout ça. Du lundi au samedi, tous les midis, et le soir, à partir du jeudi jusqu'au samedi soir, et pas de dimanche. Philippe, un petit coup de cœur en ce moment au niveau des vins, là, quelque chose que vous avez envie de vendre à votre clientèle? Eh bien, un Côte du Forez, par exemple, travaillé en bio. Côte du Forez, de... Saint-Étienne. Oui, donc de la... De la Loire. De la Loire, bien sûr. Tout à fait. Département de la Loire, même. Exactement. Cépage Gamay, c'est proche du Beaujolais, mais avec des terroirs différents, terroirs volcaniques. Voilà. Donc ça, c'est des vins pas très connus. Passionnant. Ah, superbe. Ça, on c'est le bien. Trouve au bar à vin de chez Philippe. Et on mange le midi au bar à vin. Et on y mange aussi. Et on aura toutes les coordonnées de nos invités sur francebleu.fr en cuisine ensemble. Vous reviendrez, j'espère, très bientôt, messieurs. Avec grand plaisir, comme merci toujours. Merci Samuel, merci Stéphane, merci Philippe. Merci. France Bleu Mer, on cuisine ensemble. Et demain, nous cuisinerons avec notre ami arcachonnais, Richard Davray, restaurant Les Halles. C'est voilà. Vrai. Richard qui va rencontrer Magali Brière de la boucherie de l'église à la chapelle Saint-Aubin. Magali qui était au salon de l'agriculture avec le porc fermier de la Sarthe et qui, elle, a envie de nous proposer une recette à base de cassoulet. Voilà. Très bien. Avec Richard Davray et Magali demain. Ça va être léger, ça va être sympa. À 10h, encore une fois, oui. France Bleu.